Gros opération tanmen nan bon repos. La police maré yon kidnappé et gen de l'autre la police ap cherché. Haïtien on l'autre bord délivré. Raison c'est parce que États-Unis d'Amérique li décidé bay 20 000 visas pour capable rentrer la kayli libé libé. Comment ça doit faire? M pral explique ou bon mon titan. Et on l'autre bord comme nous connaît pa gen gaz nan pays a. Et gaz là, tout le monde servi avec elle, quel que soit couche sociale. Eh bien, bandi yo besoin gaz pour fonctionner. Bandi ali nan terminal vari. Gros pression, yo maîtrise sécurité. Et puis, s'entendez yo sorti avec camion gaz. Oui, c'est l'information. M'bral bon tout détail, même vari par les causes, pas de kakin bil. Et gen tout, ambassade Espagne dans pays d'Haïti, li désapprouvé ministre intérieur qui bote non Litzkitel. C'est tout point ça que nous pral wè dans cas d'émission. Moi espérer que nous en forme, moi espérer que nous bien. Nous connaît kidnapping dans pays d'Haïti en vérité phénomène ça, personne moun pas capable poko capable contre Karim. M'pa konn les blancs ou vini si a vini, si a fait pour nous. Qui ça passé? Gagné un personnage qui dans soixantaine bandi exam dans bon repos, t'es arrêté 11 qui saute passé à pour entrer 12 dans mois ça. La police te gen détail sa yo, la police te gen information, la police te oblige renforcer équipe li parce que kidnapping nan te fait dans l'île Avoua 1. Après la police fin informé, policier qui affecté dans sous-commissariat bon repos, yo te mette yo nan travail pour te effectuer quelques fouilles systématiques dans plusieurs kay qui abandonné dans zone nan parce que yo te gen information pour te di yo, oh oui. C'est dans kay ki pa gen moun yo, kay bandi fè moun yo déserté kouri kite yo que et personnage 60 ans ça, c'est là que yo séquestré. Effectivement, nan fouille systématique que la police tap tan men nan kay abandonné nan zone yo, c'est là la police ta pral arrivé joine moun ça, personnage ça que bandi exam té enlevé ya. Est-ce que vous comprenez? Eh bien qui ta pral joine libération gratis, mais bandi ok tap surveillé. Dame et alors personnage pas m'ba kadou si son dame mais bandi tap sive personnage 60 ans li te tout bandi o te arrivé prend voler gagé selon information mais to ki te nan mais la police a bandi ou bien kidnappé que la police Maria li pote non joli kè romain li gonti non gâté qui c'est coucou nan cadre même dossier ça même zafè kidnapping ça la police a cherché youn nan otèk le kidnapping nan qui pote non Peter ainsi koni c'est son nom ça que on connaît avec un autre qui pote non Claude Ney petit monsieur c'est petit récent c'est son nom ça qui l'a fonctionné la police a cherché ou même qui nan bon repos ou reconnaître voir ou ça yo alerter la police bay la police information comme ça doit pour la police capable faire travail et me dit ça déjà malgré tout son tendi malgré Jean Bagay la e, la police sous benzing la police vle travail c'est ça m'a dit nous là depuis une gain information pas kembel partager ensemble avec la police. L'autre détail, l'autre information, regardez bien oui, ministère sécurité intérieure pays États-Unis choisi mettre disponible pour Haïti à quelques autres pays dans Amérique centrale là 20 000 nouveaux visas travail temporaire. C'est-à-dire dans l'année qui vient là, a gagné en pile haïtien qui capable jouer une chance pour rentrer aux États-Unis d'Amérique. Pour y aller travail, mais c'est un visa temporaire, il y a un bon visa pour un petit bout de temps, mais comme nous sommes haïtiens, il y a maintenant l'île pour 3 jours, 1 jour et demi, la petite voile. C'est gars doit garder diaspora gagner pour 5-10 ans dans le pays. En tout cas, Haïti, ça sont gros lots qui sont liés. Si vous choisissez de mettre 20 000 visas disponibles pour Haïti avec le pays dans l'Amérique centrale, là, vous connaissez plus fort visa, ça y est, haïtiens capables de joindre. Dégagez une couette, mettre Jean-Jacques, pour nous comment nous capables de river dans terre tonton Sam. Pour comment la vie est capable de s'attirer pour nous parce que cette disposition ça rentre dans le cadre d'engagement administration Biden là pour développer moyens légaux pour les gens venir aux États-Unis d'Amérique. Visa ça, je me dis là, il y a disponible dans l'année fiscale 2023 qui a commencé à partir du 1er octobre. Est-ce que vous entendez? Il dit en pile, on a commencé à préparer papier, commencé à chercher documents légaux, pièces requises. Pour capable jouer une visa temporaire ça pour aller aux États-Unis d'Amérique ma connais même si ma font coup tête ou bien si mon gain de trois amis si m'a voyé l'autre bagaille l'autre information encore
Parce que pays d'Haïti, en pile fois, l'OTAN de n'a informé ou même encore qu'a posé des questions pour demander côté information ça sorti. Comment bagaille ça fait arriver possible dans une société donnée? Qui ça qui est lié? Nous connaît pas gain gaz, pas vrai? D'ailleurs, nèg a acheté gaz dans la ria 400, 500, 600 dollars. Comprenez? Et puis cous moto qui est 30 dollars, sou bagain 200 dollars dans moi actuellement là, ou pas ca pour moto pour sortir la rive là, rive l'autre bois. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, bandi yo tout, yo besoin gaz pour fonctionner. Et gen pile nèg ki nan secteur privé ki se on bon patron bandi yo, les tout employé ou patron pa gen gaz pour fonctionner. Et faut ba fonctionner pour yo joindre comme maintenant poche yo. Qui ça passé? On aller non. Eh bien, selon on note que va remettre dehors terminal là, il était saccagé. Terminal là était vraiment sous tension. Après un paquet l'eau nèg exam rentrer en dans terminal varé. Fait gros pression sous sécurité terminal là et par la suite nèg yo sorti avec un paquet de gaz et on dit dégâts qui enregistré nan jou bagay ça passé a yo pa gen bouche pour parler yo même ka évaluer est-ce que comprendre a dit grand pile dégâts qui fait moi on pose une question non on font ti gens logique on pose question ça en Jean terminal varé là nèg et Genef barricade espace là empêcher l'état jwenn accès pour prendre barrière terminal là en terminal là t'es sécurité Jean terminal même pas de sécurité terminal là c'est monsieur Genève oui m'a jamais pensé si quelques jeunes garçons mais jeunes femmes qui t'al en bas pendant gain tout déblosage ça la police a cherché rentrer dans terminal là pas rentrer et puis t'es sécurité en dedans sécurité pour faire ça prouver qui ça ça important oui bon force de l'autre pas rentrer et puis espace à gain sécurité mais c'est sérieux si gain sécurité moi c'est nèg qui bloquer lio qui a sécurisé en dedans qui a sécurisé espace là pour empêcher l'état ou bien pour empêcher gouvernement en place là prendre disposition pour faire dispatching dans Gaza et yo dit là selon zanmi selon que moun qui a terre ou dit pas gain gaz vrai dans pompe yo toute réserve qui te gain c'est fini mais l'autre de côté l'état jeune gaz n'a pas parlé avec un ami un policier lui fait connaître l'état toujours gon stockage parle même sous de pas gaz mais gon ressources côté l'état toujours aller dans pays par contre qui côté lié pour l'état toujours jeune gaz pour j'aime tendre toute machine même depuis problème gaz là même machine qui était toujours dans cortège premier ministre Ariel Henry pas toujours ces mêmes machines ça ou j'aime moi gain qui en panne gaz camion si mo kap ba moun gaz kap ba moun bal nan la rin les manifestations ou j'aime tande yo en panne gaz mais si gon patrouille kap fait là nan zone Matisan nèg ou j'a pousser machine pa gen gaz machine nan on prend pa gen gaz panne gaz en tout cas bagala vraiment compliqué bagala vraiment drôle mes chers amis mais c'est information nous obligé bon détail mais en même temps li ta vraiment important tout pour rijo pour mettre ou comprendre quelque bagay qui s'est passé mes amis mou nou pa ta penser a prend pa ta swel nan men l'autre pays oh oui. C'est pas une déception non que ministre Litskitel se prend là. Moi même m'étonne pas quoi moi en tant qu'un citoyen m'a prend honte ça. Dit tout. Et puis on est quoi ministre intérieur. Gardez on tout pas qu'à prendre. Ambassade d'Espagne dans pays d'Haïti désapprouvé ministre Litskitel lui. Oh, ou allemand de comment mais qui t'explique quoi? Qui s'est passé? Depuis nèg la fin chef dans pays, lui font façon famille pour pas vivre Haïti. C'est depuis là que ce pays a commencé. Eh bien, ministre Litskitel, ministre là, li gen famille qui a vive en Espagne, tant que madame li gon paquet temps là l'installer dans pays Espagne. Et mouché ali même qui Haïti, li vinn jwenn poste ministre intérieur, li pensait tout porte ka ouvri pour lui. Eh bien, li dal fond demande visa Espagne pour te baler Schengen non. Eh bien, les monsieur rive l'op boa, ambassade ya monsieur de la tête aux pieds. Li dit ministre, tendez non. C'est bien malheureux, visa ou vin mande ya, nous pas kabaoul. Et visa ça, si pas entrer dans cadre de travail en tant que ministre, c'est affaire personnelle li mouchi a t'apral régler, c'est-à-dire li t'apral wè pou pou bliger quelque temps, li pas sa tiyete madame li c'est à côté yo, li toujours bay tite bon. Eh bien, ambassade a dit nous pas kabalil. Et m'a rappelé refi sa vini, nan moment gen gros tole gen gros bric a fait là et yo même t'a dit gen nou t'es en bay, mais c'est pas vrai, pou ko gen nou. Mais gen gros tole k'a fait là. On prend côté États-Unis a pris disposition pour révoquer ou bien pour annuler quelques visas américains qui étaient bail en pile auto maintenant qui dans secteur pour venir qui dans politique en pile gang tout. Est-ce qu'on prend grand pile gang là, yo pas fonctionner à vivre mais nèg yo gen bail dans mais tout voyage. Est-ce qu'on prend yo pas comprendre bien on nèg qui gen business ici et puis où est ces bandits qui financer ça nèg ça est pas gang ni tout.
grand pile gang qui vivent aux États-Unis d'Amérique dans moment m'a parlé avec nous là. Et ben c'est dans même moment États-Unis vient avec gros tollé ça ben ministre Litz Kittel mais tout ça il prend refi ça. Ben me rappelle moun ki pa konn ki est ki Litz Kittel. Gon pasteur ont été kidnappé dans zone Delma 29 si même m'a fait défendre dans l'église entre prendre. Yo te t'a tande ni pasteur Ferret. Eh bien non Litz Kittel te cité suite avec sa expérience te fait connait. Et Litz Kittel t'a pral parler dans émission qui gon masse écoute dans pays a. Li t'a pral mandé bandi yo libérer pasteur Ferret. Non petit comme quoi l'a mandé faire grâce. On langage codé. Eh bien, drôle de coïncidence. Monsieur fin parler pour un. Émission t'a fait dans les 2h 4h bloc 6h. Pasteur Ferret déjà une libération vrai oui. À la nèg monsieur Kapala bandi. Bon monsieur qu'on parler comme ça li quitter bandi a tout bizin comme ça. En tout cas mes chers amis, Litz Kittel monsieur pour calotte marasa nan men ambassade Espagne nan moment tellement de on visa pour te capable aloué boubout li. À l'émission Materiba, Joseph Kido est toujours en vacances. Et vacances de maternité. Ouais. Ouais, vacances de paternité. Ouais. Ouais, de paternité, de maternité. Bon. Regardez les deux. Les deux. Ouais, regardez les deux. En tout cas, nous sommes bien vivre là, pas bon petit, nous sommes jouer avec Thiago. Donc qui c'est nous nouveau petit en fait, nouveau garçon. Donc Joseph Kido que vraiment n'a souhaité et du courage également, donc en longue vie et pour Thiago. En tout cas, moi c'est que Jésus a bien mené là, il a vraiment donc ressourcé avec sa famille. Ok, jeudi à ce jeudi 13 octobre 2022, jeudi à nous charger qu'on est bas, mais n'a pas su que nous allions un peu vite pour ne pas finir trop tard. On connaît quand même le monde qui t'a prétendu émission matin débat pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays. Et c'est ça qui m'attend débat. Ouais, c'est qu'a passé maintenant pays là. Et c'est ça qui m'attend débat. Et nous prenons responsabilité nous. Et nous même tout comme citoyens haïtiens, nous prenons responsabilité par nous pour nous suivre également entendre émission matin débat. Je dis encore au capable remarquer que son calme est apparent. Et justement son calme est apparent et bien que jusqu'à présent et les institutions de l'État y ont ouvri à demi-porte, les amis. Ouais. Ben c'est quelque là donc ouvrir. Bon, majorité. Parce que encore il pas qu'à venir vraiment. Oui, à cause du gaz. À cause du gaz. Oui. OK. Donc il y a un bureau l'État, majorité fermé. Non, le bureau l'État pas fermé. Il pas fermé. OK. Mais il ouvre à demi-porte. Il pas fermé à demi-porte. Il ouvre. Okay. Il ouvre. Et pour full service. Non, pas full service. Parce qu'il y a des monde qui pas qu'à venir. Il y a monde qui pas qu'à venir. Il y a monde qui pas qu'à venir. Eh bien, quand même ouais bureau l'État ouvre. OK. Donc pas que c'est tout. Le carburant, il est affecté et mais tout économie, tout le pays. C'est le pays. C'est le pays. Ouais. Le pays. Okay. Donc c'est un calme apparent, madame, monsieur. Ok. Mais calme apparent ça, il y a deux bagailles. D'abord, vous pouvez peut-être comprendre que vos populations n'ont pas qu'à qu'un bien pression par les quatre blocs là encore. Parce qu'en pile, mon âge a souffert en pile. De tout ça. Ok. Et malheureusement, les politiciens n'ont pas la hauteur. Ok. De sacrifice ça. Que peuple haïtien lui-même les consenti. Il les consenti. Et à ça que lié encore, c'est que les acteurs politiques, je dis, parmi là-dedans, ils ont commencé à rendre, ils ont commencé conscient, ils ont commencé à rendre compte que, quelle que soit la bataille que vous avez fait là à terre, il faut attendre le blanc. Malheureusement. Que les nègres, je dis, et moi, je ne sais pas si vous On m'a dit, tout sauvé de sénateur Maurice Jean-Charles, jusqu'à présent Maurice Jean-Charles, il était cohérent. Jusqu'à présent sénateur Maurice Jean-Charles, pour que si on a un leader qui n'a pas campé dans la bataille lutte comme dans la bataille peuple. Ah oui. Ah bon, oui. Est-ce invité ou pas invité? Bon, en tout cas, est-ce que vous allez inviter sénateur Maurice Jean-Charles? Parce que justement, il a coupé visage. Si vous coupez visage, donc pas une question d'invité. Nous allons garder la question matin à l'émission matin débat. Mais cependant, nous avons un pays qui a toujours été fragile. Ou même cap déplacer là donc dans mi-temps et capitale là ou même cap déplacer tout donc pour aller en province faut toujours très très vigilant et je pense que je dis ça qui a passé dans Fermat, ça qui a passé dans Thomasin, ça qui a passé dans la boule est très inquiétant et je pense que la police et dans Taraz tu as déjà kidnappé plusieurs monde matin là matin Taraz Taraz OK donc il est très inquiétant et nous connaît matin débat nous t'ai insisté sur ça dans l'émission matin débat dans canal risque de faire. Ou ka dit sauvle, mais matin débat jodi, pas grand rien que nous dit ici, pas grand quel conseil que nous baille pour nous ça nous dit pour l'arriver.
OK? Et regardez exactement ça qui a passé. Moun Laboule, Moun Domassin, Moun Fermat, yo limité dans déplacement yo. Ah oui, c'est clair. Ah oui, yo limité. Yo limité dans déplacement yo. Parce que écoutez, tellement gen zam, c'est pas seulement bandi qui gen zam. OK? Gen pile moun ki gen zam la kayo. Pour protéger tête yo. Ah, pour protéger tête pa yo, madame monsieur. Et je dis à l'équipe de Team Akak, c'est comme si yo gon défi que yo bay tête pa yo. C'est comme si yo bay tête un défi pour yo montrer que territoire ça, l'aime dit territoire là, c'est territoire à partir de la boule Thomas Saint-Fermat, c'est territoire pa yo. Fini. Parce que madame monsieur, ou pa ka bandi, c'est ça moun monnaie. On bandit pas exister sans territoire. Ou pas capable de bandit sans territoire. Parce que qui ça fait bandit? Qui ça fait chef? C'est territoire. Territoire. Qui ça fait coupe d'eau? Parce que faut gagner territoire pour le voler. Donc plus ou plus espace ou qu'à voler, c'est plus l'argent qu'on a fait. Ouais. Plus ou plus espace qu'on a capable pour faire kidnapping. Donc c'est plus l'argent qu'on a fait. Donc ça veut dire que pas qu'à gagner bandit sans territoire. Donc je dis un petit macaque, à périgé en tant que chef d'un territoire, bien que jusqu'à présent, territoire Timakak là, nous ne connaissons qui ça gagne dans tête comme intention vraiment. Mais je dis à nous peut-être une idée que territoire par là, il voulait limiter la partie de la bouche jusqu'à Fermat. Et Dieu seul sait s'il va priver pratiquement donc qu'est-ce qu'off. Jusqu'à Saint-Roch également. Jusqu'à Saint-Roch également. Mais là où dit Taraz. Oui, descend de là pour le Cafou. Saint-Roch pour le Cafou. Ah oui. Ah, papa ici. Vous m'avez bien, madame, monsieur. Donc, pas de bandits sans territoire. Donc, je dis à bandit à bouche, il faut que l'on territoire. Et pas oublié. Ah ouais. Et c'est allié Tilabli. Allié Tilabli. Gravine. Qui lié entre Gravine et Tibois. Et Tibois. Et pas chez Fonsol. Correct. Mais, Gongoumé entre Tibois avec Gravine. Gravine. Ça veut dire que. Correct. À n'importe quel moment de la durée, monsieur Lobé a pété. Non, est-ce que vous comprenez, madame, monsieur? Est-ce que vous comprenez la configuration de gang? Ok, donc Timaka qui mène Mikampané. Et l'autre dit Timaka, vous dites Tilabli. Donc, et vous dites Tilabli ou dites Iso? Ou dites Iso. Et pour gagner ça qui bâtit pour nous dans le temps. Donc, ce qui bâtit pour impossible là, oui. Non, 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 écoutez, non, chérie. Écoutez, madame, monsieur. Là, nous clair, on débat entre intervention. Intervention, il veut dire ça, il implique ça, il est capable d'impliquer. Mais pas aucune route pas boire là. C'est ou bien, je viens de dire la mission dans le débat, ou agent spécialisé en matière de sécurité que le gouvernement est même engagé. Ou bien qu'on force spéciale, justement, donc que les États-Unis sont capables d'aider nous avec leur pays pour nous capables de sortir tête dans la situation. Ça. Ou bien que le gouvernement assure, il touche les pantalons, il fait Canada voyer matériel pour nous également, donc assure tout que nous venons notre matériel de l'autre côté, de commander notre matériel. Parce que ça qui est là comme situation, il n'est pas facile pour le résoudre qu'on y a. Alors, entre le Canada et les membres du gouvernement, et l'ambassadeur du Canada, et qui calte mon yoka bay menti là? Est-ce que entre l'État avec Mounsa, qu'est-ce qu'il y a bay menti? Dépendamment de ça qui dit, ok? Ça qui s'est le Canada te dit, matériel tout pari. Non, écoutez, matériel tout pari dans l'agence qui a une responsabilité pour faire acquisition matériel pour l'État haïtien. Ok. Mais maintenant, l'agence, ça lui-même, compagnie, ça a besoin d'autorisation du gouvernement canadien pour être capable de cheminer l'équipement de Haïti. C'est-à-dire que l'ambassadeur canadien connaît très bien ce qu'on dit là-bas. Parce que l'agence n'a pas d'autorité, ok, de pas propre lui-même pour mener, pour faire pour acheminer matériel vers Haïti. Vous avez dit qu'il voler comme là? Ah oui. Donc le Canada vole l'argent à Haïti. En tout cas, eux-mêmes qui connaissent. Parce que jusqu'à présent, ils achètent ça. L'argent dans le équipement dans le ok? Parce que nous payons. Donc on chatte son chat, on chien son chien. Ok, maintenant, il connaît très bien que c'est le gouvernement canadien qui vous baille autorisation accompagnée. Et de fait, nous-mêmes, en tant que journalistes, nous vérifions. L'équipement aussi, casse en mode qui fait. En fait, qui fait pour Haïti, qui a porté pour Haïti, qui blende les machines, qui gagne ça. Tout pareil. Et l'équipe de ICAS, je suis après tant autorisation du gouvernement canadien pour être capable de cheminer comme on donne vers Haïti. Donc, l'ambassadeur canadien n'a pas fait nous ça. Non, il n'a pas fait nous ça. En tout cas, faut que nous étions parce que la situation, faut qu'on va qui fait à un niveau ou bien en l'autre, ou bien avec n'importe quelle option que nous sommes capables de résoudre le problème, mais il faut que le résoudre. Mais faut que je dise, dis que je ne vais pas résoudre. Parce que c'est quelqu'un qui connaît qui intérêt gang yo. Qui est-ce qui a intérêt dans gang yo tout? Puis moi, c'est un petit chat à l'air là. Qui est-ce qui a intérêt dans gang yo, madame, monsieur? Qui est-ce qui est groupe qui a fédéré gang yo? Correct. Madame Lalim. Les Nations Unies. Parle bien de BINU. Parce que, pas oublier, BINU, c'est le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et je veux dire, qui groupe monde qui a fait
et qui besoin justificatif quelconque pour déployer Nations Unies. Aïe aïe aïe, nous connaissons. Ok, si l'on veut tenir compte en fait de la position du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, sur la crise haïtienne, sur la question de l'intervention, ok, yola, déclaration yola. Je veux dire, c'est lui même qui a fait promotion, qui a fait plaidoyer autour des autres pays pour une intervention sur Haïti. Donc, je veux dire, c'est les Nations Unies qui veulent qu'on intervention en Haïti. Bien entendu, sur la demande du gouvernement haïtien. Mais avant même que le gouvernement lui-même demande formule les demandes, M. Guterres, sur France 24, il était clair, il était dit que Haïti a besoin d'une force robuste. Pourquoi il y a un discours à Elan Hulon non? Sous France 24, que l'était dit là, dit que Nations Unies dit là, c'est au cap boumé pour qu'on force militaire pratiquement, en intervention militaire pratiquement sur le pays. Bon, nous pas là. C'est pour vous dire, madame, monsieur, société qui là, comment va dire nous qui est très important? Nous ne pouvons jamais même pays encore. Vous tirez en tête nous pays que nous avons en 90. Pays que nous avons en 2000, 2002, 2014, 2013. Nous ne pouvons même pays encore. Nous ne pouvons jamais Haïti encore. Haïti chérie. Ok? Parce que ouais, ça qui vire là, Jean le vire, il vire net. Il a vu plus mal, au contraire. Il va prendre notre temps. Ok, il va prendre notre temps, au moins pour être capable de faire un petit soulagement. Donc, retirez en tête nous. Et nous-mêmes, peuples haïtiens, il faut nous marier ceinture. En tout cas, bon, maintenant, encore, nous allons regarder ce qui est sous table matin débat, parce que nous avons un peu monde qui prétend que ça matin débat pour le dire. Et non, ça qui a passé dans le pays. Ok, on regarde le premier point. Haïti sécurité. L'arrivée de deux bateaux dans la rade de la capitale haïtienne a créé une panique au sein de la population haïtienne. L'intervention sollicitée par le gouvernement haïtien est-elle en route? Et avant de rentrer dans ça, nous faisons parler avec Jameson Bernabé. Et maintenant, bon, en fait, moi, c'est que vous avez premier point. On prend d'abord Haïti politique. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier de Trou du Nord au Cap-Haïtien à l'initiative du sénateur Moïse Jean-Charles pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Une conférence de presse est prévue ce matin par le sénateur Moïse Jean-Charles. Notre reporter est donc sur place, Jameson Bernabé. Est-ce qu'on est sur place dans la conférence de presse, sénateur Moïse Jean-Charles? Et capable de permettre que les placer de monde sous point de presse qui était animé par question mais surtout yon potentiel manifestation de 5 octobre. Et sénateur moi je cherche ou avec vous connaissez ce matin débat, parlez-nous, dis-nous plus. Nous avons dit, il y a venu nous voler le choléra. Qui est-ce qui va nous choléra? C'est eux-mêmes qui vont nous choléra. C'est eux-mêmes, pas que vous savez. Pas que vous savez, parce que ce pays est son grand-père. Ce pays est chiant, les coupons bien, les coupons mal. Ce pays est son fils de son jour. Oui, Louko. Eh bien. Comment ça va tous? Esaïe, et puis les dominants qui vont se dire, c'est pour nous comprendre. C'est pas des dimensions. Regardez, il y a besoin d'argent. On est en bas, c'est le peuple à voir. On s'y goûte dans ces richesses paysans. Qui ça va faire? Ils ont continué après les blancs pour aider eux. Ça veut dire, ils n'ont pas sorti pour quitter nous pour aller dans le petit souffle. Eh bien, maintenant, nous faisons une conférence pour nous dire, nous rejetons pour ce blanc qui était là. Et nous-mêmes, nous allons continuer avec la campagne. Et le 17 octobre, qui n'a qu'une date, le mois de Saline, nous allons monter le monde entier, nous faisons la campagne et nous allons parler avec les États-Unis.
Et bien, ici, pas oublié. On ne voit pas comment nous sommes déjà. Les 17, nous sommes sur Nassau. Nous avons la rire à nous-mêmes. Nous avons le monté, Nassau. Nous avons le point comme à nous. Qui pouvait au niveau Kafa Yoko. Et là, c'est fini. Nous avons le point d'autoroute. Autour de Malin. Pour passer de notre endroit. De notre endroit. Pour aller dans la bataille. Pour nous échouer. Avec manifestation. Car c'était sur le soleil. Nous devons encore. Nous devons ici. Nous devons aller. Nous devons aller. Nous devons parce que ce n'est pas nous qui pouvons mener nous, parce que nous sommes tous dans l'état, c'est fini. Merci, les gars. Donc, nous prenons des yeux, Maron Soudé, recevoir Moïse, sénateur à 6 sur 5. Actuellement, nous sommes à gagner une séance manifestation qui a supposé tomber le 17 octobre. Mais tout, nous prenons des yeux, nous prenons des yeux, qui est important pour nous signaler que le sénateur a lui-même dit, il va nous causer blanc, parce que blanc, vous qui êtes parce que nous sommes surpris. Il estime que ce moment, toute population haïtienne n'a rejoint la bataille-là. Alors, nous, jusqu'à présent, nous, avec sénateur, certainement, nous sommes capables de nous encore pour nous plus sous éventuel match qu'a fait là, dans le moment, parce que, comme nous, c'est un pile monde qui accompagne le sénateur, là, soudainement, qui a monté. Donc, dans le moment où nous sommes nous encore. Donc ça veut dire, Jameson, sénateur, moi, Jean-Charles, marche à pied là, la montée sous Delma, c'est ça? Justement, dans le moment-là, il est à pied. Soudainement, la montée, nous sommes plus côté pour le faire flyer. Comme tout le temps, côté Louko, il y a quelqu'un qui a essayé de rejoindre Massa, même si ce n'est pas officiellement une manifestation, mais quand même, si toutefois, c'est la droite de la montée de son ville comme ça, nous ne sommes pas pour être capable de faire le monde qui rejoint nous. Là, c'est le monde qui a cherché le Louko des îles, aller en yellow. Et puis, on a encore l'autre possibilité de manifestation pour Algérie, selon sa sénateur Desi, c'est que le Desi se brûle devant Kai Ministre, devant Kai Premier Ministre, mobilisation pour Algérie. Donc, je vous dis là, c'est comme ça, c'est le coup des yeux soudainement, comme nous, et c'est au quotidien de monde, dans la compagnie leader là, nous-mêmes, nous avons été sous place, automatiquement, il y a une évolution sur sa capacité là, nous avons le coup des yeux, nous nous connaissons. Merci à Bill Jameson, merci à Bill Jameson. Donc là, c'est un. Et manifestation improvisée par le sénateur Moïse Jean-Charles suite à la tenue en fait d'une conférence qu'il a donnée ce matin dans le local habituel à Delma 41. Hier justement, nous avons un reporter sur place à Trou du Nord. C'est des milliers de personnes en pile monde que le sénateur Moïse Jean-Charles mettait dehors. Et puis ça qui était pire en fait, m'gadi ça qui attire l'attention de tout le monde. Ils a eu de Trou du Nord à Cap-Haïtien, son belle distance. Son belle distance. C'est plusieurs kilomètres, madame, monsieur. C'est la caille Jovenel Moïse. Ok. Donc, Mounio marché, manifestation sortie Trou du Nord, à pied, jour privé, Cap-Haïtien. On a le dit ça. À porter sénateur Moïse Jean-Charles sous tête. Non, jusqu'à présent, Moïse. Pas aucune casse. Jusqu'à présent. Pas de pillage, pas de dessous. Trou du Nord, okay? Contrôlé par Moïse Jean-Charles. Correct. Donc, elle dit ça, il faut quand même le connaître. Mounio sorti de Trou du Nord à Cap-Haïtien, Moun qui connaît non. Il y a peut-être imaginer la distance que nous faisons à pied. Ok? Tu as une chasse au nord, tu as une bonne à pied, tu as une animation. Donc, de Trou du Nord, donc à Cap-Haïtien. Donc, ça veut dire que vous imaginez, donc, c'est des gens vraiment qui étaient accompagnés de Sénateur Moïse Jean-Charles, qui devraient exprimer. Donc, ils t'ont demandé départ et Premier ministre donc, Ariel Henry. Et nous allons regarder, point qui est sous table, nous allons regarder aujourd'hui, hein, qui est ouais, qui a fait là aujourd'hui, madame, monsieur, donc, en politique. Ok. En tout cas, dans le moment où on a parlé là, Sénateur Moïse Jean-Charles, les sous-routes d'Elma, à partir de Delma 41, la montée, dans le cadre d'une manifestation improvisée, ou même cap descendre d'Elma. Donc il faut que vous fassiez très attention. On va voir qui comportement. Donc, les gens capables avec Sénateur Moïse Jean-Charles, capable de gagner. Ok. Donc, ça, c'est le premier point que nous traitons maintenant dans le cadre de l'émission Matin Débat. Ok. Deuxième point, on a parlé rapidement. Haïti Sécurité, l'arrivée de deux bateaux dans la rade de la capitale haïtienne a créé la panique au sein de la population haïtienne. L'intervention sollicitée par le gouvernement haïtien est-elle en route? Et depuis hier, la panique dans la matinée, la panique prend pas quelques monde. Les autres apprennent, les autres regardent sur les réseaux sociaux. Photo de deux bateaux qui arrivaient dans la rade de la capitale haïtienne, dans la mer. Bateau sont arrivés, c'est suite à l'arrivée d'une délégation américaine qui est en tête de le secrétaire d'État aux affaires hémisphériques, M. Brian Nichols. Coïncidence. Bateau sont arrivés, c'est suite à demande du gouvernement haïtien fait auprès des Nations Unies, également auprès du département d'État américain, pour renforcer
sécurité dans le pays, le gouvernement a demandé aux Nations Unies pour envoyer une force spécialisée, ou du moins pour une intervention militaire, pratiquement dans le pays. Panique totale, et grand pile monde qui relève maintenant, grand pile monde qui a posé des questions à l'émission Matin Débat, et nous-mêmes nous avons dit que nous mettrions le temps à 10h, nous allons faire une analyse sur ce qui passe dans le bateau. Effectivement, il y a deux bateaux, je dis, deux bateaux de guerre qui sont dans la rade de Port-au-Prince pendant qu'on a parlé à la madame monsieur. Les bateaux sont visibles, mais bateau ça y est, qui bateau y est, ça a une fin. Est-ce que effectivement c'est deux bateaux des Nations Unies ou bien c'est deux autres bateaux qui là? Ça te met en pile panique. Alors c'est bateau américain. Bateau américain. Américain. Ok. Est-ce que c'est dans le cadre d'intervention, une intervention qui est là? Ou bien c'est intérêt américain. Ou bien c'est intérêt américain qui vient protéger. Clair. Ok. Qui ça information y est? Bon, bah nous information, mon gonne. Information. Information. Ici, Matin Débat. Nous sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous y sommes. Effectivement, deux bateaux qui là, yo, c'est deux bateaux américains. Deux bateaux de l'armée américaine, parce que quand même, c'est deux bateaux. Oui. De guerre. Oui. Ok. C'est deux bateaux américains, madame, monsieur, qui l'a rate de Port-au-Prince. Y'a une fait qui ça? Y'a une sécuriser intérêt américain. C'est suite à attaque que groupe 5 secondes, ISO, chef de gang de 5 secondes, te fait sous Port Lafito. Et de bout dit Port Lafito, ok, ou dit Bidjo. Donc deux bateaux qui l'a, c'est pas pour question d'intervention. Ça va rien faire intervention même. Même? Jamais, ça va rien vouloir avec question d'intervention. Bateau qui là, yo, pas oublié. Ça vous connaît. Port Lafito, c'est pas Bidjo. Pas oublié, ma rappelé nous, qu'on bataille entre les Meuses, Bidjo également, Bossan. Yeah. Ça n'a pas jamais oublié ça. Port Lafito, c'est pas Bidjo. Pour pouvoir être fait, t'es gourmé entre Unibok, en fait le groupe de Boudon, Bossan, et la famille Bidjo. Correct. Sur question terre. Yeah. Finalement, Bidjo a gagné pour ça. Et puis, yo, entendre avec l'État haïtien, puis capable de faire port là. Port pas pour Bidjo seulement. La Fito, c'est propriété Bidjo, bien entendu, avec des actionnaires tant que Seaboard. Seaboard, c'est une compagnie maritime, également des actionnaires tant que l'IFC. L'IFC, c'est l'International Finance Corporation, qui c'est le bras financier, le bras privé de la Banque mondiale. C'est une bonne chose. Mais raison qui fait que chaque fois que je parle dans le Matin Débat, je dis que l'Amérique a un intérêt ici. Hein. Chargé, mon cher. Chargé intérêt. Pour qui ça, je dis, ou pas qu'à retirer le secteur privé à du lot de monde, je dis, qui a fait contre ce pays. Hein. Parce que le secteur privé a des gens là-dedans qui travaillent pour des intérêts, les États-Unis, également l'autre pays, peut-être le Canada, la France. C'est eux-mêmes qui garantent intérêt, en fait, groupe de monde, ça, ou bien investisseurs, pratiquement dans le pays. Hein. La FITO, l'équipe pour associer Seaboard, Seaboard c'est une plus agence maritime qui aujourd'hui a fait transport de conteneurs de l'autre côté à Haïti. Et c'est actionnaire à la FITO. Il y a un siège social aux États-Unis d'Amérique. Et bureau quatre côtes où est qui vaut les bateaux là, il est exactement parce qu'on fasse bureau Seaboard aux États-Unis. Ok? Maintenant, l'IFC. L'International Finance Corporation, c'est le bras privé de Banque mondiale. Donc ça qui là, c'est intérêt américain que lié. Et c'est ça bateau ça vient faire. Les bateaux ça vient sécuriser intérêt américain. Mais cependant, et ça c'est suite à attaque que ils ont fait par la mer, par bateau sous Port Lafito. Vas-y ma petite là, non madame. Et bateau pas là seulement pour Port Lafito non. Il parle seulement pour la FITO. Pour intérêt américain. Pour intérêt américain. Donc ça le dit, ça le dit. Oui. Mais cependant, le débat c'est quoi? Il y a les eaux territoriales. N'oubliez que je dis, nous avons frontières dans la mer. Même si nous avons frontières terrestres, il y a les frontières. Il y a les frontières maritimes. Maritimes. Ça n'a pas menti la donne. Est-ce que qu'on a un bateau capable, je dis, de traverser les frontières, nous? Pour venir souiller en fait le sol là. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire sans avis de l'État haïtien. Donc, okay. Gouvernement okay. Haïtien, t'es au courant que bateau a vini. Gouvernement, t'es au courant que bateau a vini, madame, monsieur. Mais gomba et tout pour nous comprendre. Jusqu'à qui bon bateau ça capable d'intervenir?
Ça très important. Je dis à Baba, nous mentir, bateau qui là yo. Yo qui ne pas faire un coup de fils sur Haïti non. Bateau qui là madame monsieur qui ne rate pas après ça. Yo qui ne pas faire un coup de fils. Yo qui ne pas faire un coup de fils sur territoire sur Haïti. Correct. Parce que pour entrer sur territoire dans les eaux territoriales, il faut que gagner ou bien c'est la guerre. Ouais. Gon pays qui envahit ou. OK. Ou bien que le gouvernement lui-même, il entend sur ça. Sur ça. Mais cependant, en termes de perception, je dis à ISO, barbecue, tout M. Gagnon, présence bateau, ça y est, je ne vais pas mentir, jusqu'à qui peut le paniquer, je ne vais pas mentir. Mais deux bateaux qui là, ce n'est pas un bateau qui n'a aucun rapport avec la question d'intervention. Il n'y a pas rapport intervention même. Ils sont là pour venir sécuriser business, bijo, également les intérêts américains. Alors, l'autre bagage nous a fait une commande, pour les Haïtiens. C'est même avec l'ambassade, quel que soit le pays, par exemple le cas de l'ambassade américaine, qui a environ 250 soldats qui pour sécuriser et l'ambassade et la résidence américaine. Et la résidence de l'ambassadeur américain. À Boudon. À Boudon. Donc, ou pas besoin de soldats qui en dans l'ambassade là, ou bien dans la résidence de l'ambassade américaine. Non? Ou pas besoin de dans la rue. Cependant, si vous venez attaquer l'ambassade là, il a riposté correctement jusqu'à la dernière mine. Et même j'ai un bateau. Bateau avec là. Pour descendre, il faut que vous ayez autorisation. Autorisation. Vous n'avez pas qu'à descendre. Vous n'avez pas qu'à pas tirer aucun coup de fusil là. Ok. Sauf si vous avez attaqué, vous n'avez pas qu'à tirer aucun coup de fusil là même. Mais vous êtes là pour tout le bagage. Vous êtes là pour tous les bagages. Tous les bagages. Ok. Mais ce n'est pas l'État haïtien qui, dans deux mandats, fait pour une intervention dans le pays. Ce n'est pas dans quatre deux mandats qui fait là. Ce n'est pas bateau là pour une intervention. Et puis je suis là pour ça. Tout, après, c'est là. Il a pris dans le centre territoire. Mais normalement, monsieur, c'est là pour nous comprendre, madame, monsieur. Il a pris dans déployé. Mais il n'y a pas de dépendant qui va faire, non? Avec Genève. Ça dit là, Louko. On est un peu plus. Babé, qui est dans madame, monsieur? Ah, Babé qui vit sous lui. Bah oui. Babé qui oui. Babé qui est dans madame, monsieur, oui. Babé qui est Babé oui. N'est-ce pas que vous faire boire? Babé oui. Gardez, monsieur. Ah, c'est que moi, Christal, vous avez un peu plus. Oui. Sortez là. Qu'est-ce que vous avez un chat? Oui. Sortez là. Il a nos causes. Ah, Babé qui vit sous lui. Babé qui est dans madame, monsieur. Madame Nissi, ah, problème. Lui est madame Lalim. Tenez mon frère. Oh, problème. ZBT. Qu'on y a négocié. Pas toi, oui, oui. Amnesty a parlé. Oui. C'est pas moi qui dis, non, pas avec vous. C'est dans ce n'a dit lui. Sortez-moi là. Oh, vous attendez sous petit bout dans la caille. Cadeau causé. C'est pas moi qui dis, non, pas avec vous. Dans ce n'a dit. Oui. Babi, comment madame Nissi? Madame Lalim, t'es promis de vous battre. C'est bien. Oh, regardez. Mais madame Lalim, t'es promis de lui. Depuis combien de temps, oui? Oui, c'est pour ça. Depuis notre cadre et fédération. Oui, oui, justement. Il était pas gagné à privé. Il était promet, yo. Ok, madame Lalim, te promet, monsieur. Monsieur Genève, yo. La bayo, immunité. Eh bien. Non, mais ça fait que vous ne pas inquiété. Ça fait qu'il ne s'inquiète pas. Comme si là, ouais, que vous installez, donc c'est des chefs de gang, c'est des chefs participants dans le pays. Donc, en tout cas. Donc, après, t'es bon, ouais. En tout cas, je devrais à ce que nous-mêmes, nous te connaissons, ça bat aux avinéglés. Ok, yo là, c'est pas pour l'État haïtien, yo là, c'est pour Bidjo. Et là, bon, ouais, monsieur, nous-mêmes, papa haïtien, et ça fait l'important pour nous entendre des gens qui parlent dans le pays. Mais maman des personnes dans des locaux désir. Mais par contre, quel monde qui est dans des locaux désir pour pas continuer dans des locaux désir parce que ici on nous bat toute vérité. Vous écoutez Matin Débat. Donc bataille où est qui dans pays là? Ils sont bataille d'intérêt, mais intérêt pas seulement intérêt qui gagne pas avec haïtien comme t'es toujours dit dans l'émission Matin Débat. Là prend des nèg. Andy Bidjo par exemple. D'ailleurs, c'est ça fort, ouais. Les gens qui ont attaqué Bidjo Bossan, mais c'est eux même encore. Parce que Tinek n'a pas attaqué Bidjo. Ah ouais. Ah ouais. Jovenel Moïse était trop petit pour attaquer Bidjo. Comme lui, c'est président, il n'y a pas de bagaille qui doit passer par lui comme président. Donc là, il y a une négociation pour ça là-bas et pour ça là a besoin. Il a peut-être demandé pour Fongeon faire avec Bidjo. Ça fait jodi a ouais monsieur ça est puissant comme ça dans pays a. Et me dit l'émission Matin Débat. La position du secrétaire d'État du secrétaire général des Nations Unies monsieur Guterres, faut regarder qui intérêt qui des positions. D'après nous mêmes c'est pour Belfig Ariel Henry pour Guterres secrétaire général des Nations Unies camper pour le c'est gang dans la rue et puis c'est faut qu'on force robuste. Pour belle figure, Ariel Henry.
faut regarder qui ça fait pour une position ça. Je dis, regardez, il y a une fabrication qui est en train de se faire pour la justification d'une intervention. Ou bien, je n'aime pas venir là, ça veut dire, en fait, Brian Singola. Brian Nichols. Ou bien, si c'est ce que son collègue, à colère. Au côté, moi, vraiment. Qui est mon amour, c'est vrai. Alors, colère à sécurité. Tout quantité de morts qui n'ont tête négo là. Tout quantité de morts qui n'ont tête négo là pour colère.